Mais ce qui est bien, c'est qu'on a vu le match qu'on espérait. On n'espérait pas, croyez-moi, quand on a préparé le match, on ne s'est pas dit 3-0, on va gagner. Non, on savait que ça allait être très difficile. On savait que c'était une équipe qui prenait très peu de buts, qui était fort sur phase arrêtée, qui était bien défensivement. Et je trouve qu'on a, en gros, sincèrement, on a fait un gros match. On a fait un gros match parce qu'en première mi-temps, on était très très bien en place et on a su contrer un petit peu leur stratégie parce qu'ils voulaient absolument créer des deux contre un sur les côtés et on a su assez bien défendre. Mais on a eu des occasions franches. On a eu beaucoup plus de frappes qu'eux. On a eu 8 frappes, dont 4 cadrées. Ils en ont eu 3, seulement une cadrée. Donc on a eu plus de frappes, on a eu plus de centres, on a eu plus de phases arrêtées, corner, coup franc. En termes de possession, c'est un petit peu équitable, chacun a eu un peu ses moments. Et c'était, on va dire, un match tactique, bien sûr, mais le terrain n'a pas aidé aussi. Parce que c'est vrai qu'on a demandé à ce que le rythme soit un peu plus élevé, surtout quand on devait attaquer côté faible et renverser le jeu. Il a fallu qu'on le fasse plus souvent. Mais le problème, c'est que le terrain n'aidait pas. Le terrain n'a pas été arrosé juste avant. Donc le ballon freinait un petit peu et ça n'a pas aidé justement pour avoir un peu plus de rythme dans le match. En termes de, voilà, c'est dommage d'avoir deux cartons, parce qu'ils ont fait le double de fautes que nous. Ils en font 24, nous on en a fait 13. Donc je trouve qu'ils méritaient un peu plus de cartons. Mais ce que j'ai aimé surtout, c'est qu'on aurait pu gagner déjà ce match et marquer un but ou deux en première mi-temps. Et qu'en deuxième mi-temps, on avait le contrôle et puis on a eu un moment de faiblesse. On a laissé beaucoup trop d'espace et les deux joueurs qui sont rentrés au milieu de terrain nous ont apporté cette qualité à la récupération. On a été beaucoup plus équilibrés, on leur a donné aucune chance de marquer et on a été assez bons dans les transitions, mais dans le dernier geste, il a manqué quelque chose. Mais voilà, c'est comme ça. Nous, on savait que ce qu'il fallait surtout pas, c'est perdre ce premier match. Parce que si vous perdez, c'est très difficile après d'accéder à la première place, parce qu'il n'y a que la première place qui vous qualifie. Donc le fait d'avoir fait match nul, ben, ne nous donne plus aucun joker. On doit gagner les deux prochains matchs et puis voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la différence de but. Mais voilà, on est confiant et moi, je suis content. Je suis satisfait du groupe, vraiment. Et puis, il y a un autre match qui arrive contre l'Algérie, qui sera un match dans un autre contexte. Pour nous, ce sera un peu pareil parce qu'on va préparer pour essayer de le gagner. Mais voilà, l'idéal, le meilleur maintenant, c'est la récupération. Et puis on aura un prochain match, Inch'Allah, pour essayer de le remporter. On a fait le moqabala mzian, ou j'étais un mzian tactiquement. L'aba, quand nous rejoignons l'Yoma, non, dommage, c'est qu'on a des occasions. Mais on a fait le marquer. ولكن بنا بعدا لا ماتوريتي كاينه ما تماركاش علينا ضد خصم قوي تونس كانت عندها فرقه مزيانه وصراحه الماتش كان مزيان الدراري لعبوا مزيان خص شويه اكثر من ليفيكاسيتي ولكن نقول الحمد لله ناخذ هذه النقطه وندوزوا الماتش الجاي ان شاء الله ضد الجزائر خص اوبليغاتوارمون الرباح ان شاء الله والحمد لله دخلنا بريمير ميتو دخلنا مزيان الدراري داروا اللي عليهم زقلنا بزاف ديال لي اوكازيون ولكن الدراري بانوا رجال انا مونتري كوني ماتور بروند دو بوت باش ما تماركاش علينا البيت في الشوط الاول والشوط الثاني وان شاء الله نفكروا دابا في الماتش الجاي وهذا هو المهم ان شاء الله كنتمنوا نديروا 3 نقاط في الماتش الجاي ان شاء الله